Bonjour à tous, vous êtes sur la Cocotte TV. Aujourd'hui, on aborde la dernière vidéo consacrée au modding du clavier TH96 des PoMaker. On avait dans la première vidéo fait un tape mod, dans la deuxième on s'était occupé des stabilisateurs et aujourd'hui on va s'occuper de la structure même du clavier. Alors dans un premier temps on va remplacer la plaque de silicone qui est au fond du boîtier. On va la remplacer par de la mousse en espérant que ça va mieux absorber le son. Et puis aussi on va essayer d'améliorer l'effet gasket mount du système de fixation. Alors le système de fixation gasket mount, c'est un système qui coince la plate entre la structure du bas et la structure du haut. C'est censé permettre d'obtenir un effet rebond grâce aux petits éléments en silicone que vous voyez ici. Sauf que la silicone c'est pas très souple et ça permet pas vraiment d'obtenir un effet rebond incroyable sur ce clavier. Quoi qu'il en soit, on est parti, on commence par le remplacement de la plaque de silicone par de la mousse et puis on reviendra sur le gasket mount un peu plus tard. Alors la mousse qu'on va utiliser, c'est une mousse comme celle-ci. Alors n'achetez pas ça, hein, la nôtre par exemple, on l'a trouvée dans un carton de produit. Vous pouvez trouver ça dans n'importe quel colis. Hein. Allez, c'est parti, on commence. Donc voilà, c'est fait. Comme vous pouvez le voir, c'était assez facile. La mousse ne faisait pas la totalité de la largeur du clavier, mais il n'y a aucun problème. Hein. Vous pouvez découper plusieurs morceaux et ça marchera de la même façon. Alors, évidemment, pensez à prévoir des petits trous pour les câbles. Hein, n'oubliez pas ça. Alors c'est parti, on va enchaîner. Maintenant, on va s'occuper du gasket mount. Donc dans un premier temps, on va retirer les petits éléments en silicone et on va les remplacer par de la mousse, comme vous pouvez voir là. Alors autant la mousse qu'on avait mis au fond du clavier, on l'avait pris gratuitement dans un carton d'emballage. Par contre ça, on a dû l'acheter du coup. Ça coûte à peu près dans les 6-7 € dans les boutiques en ligne. Voilà, on vient de finir la première face, maintenant il faut faire la face arrière. Et bien voilà, on arrive au terme de ces vidéos consacrées au modding de clavier. Là, on vient de remonter les switches et la plate directement sur le PCB et maintenant il n'y a plus qu'à les connecter. Donc ça y est, c'est fait, le clavier est prêt à être testé. Nos premiers tests ont plutôt été concluants, sauf sur un point en particulier. Ce qu'on a fait sur le gasket mount a l'air d'avoir servi à pas grand chose. Et vous allez voir, quand on s'approche, on comprend mieux pourquoi. Comme vous pouvez voir, en fait, on s'aperçoit que la plate est clairement bien trop proche de la structure en plastique. C'est quasiment impossible qu'elle ait de la souplesse là-dedans, hein, elle est vraiment coincée entre les deux structures. On s'en était pas rendu compte, on s'en rend compte que maintenant, et malheureusement on est un peu obligé d'admettre que le côté gasket mount qui est vendu avec ce clavier est probablement plus de l'ordre du marketing que quelque chose de réellement efficace. Il y a bien un petit effet mais c'est vraiment très léger. Sur ce, on a fini par installer les keycaps et maintenant il est temps de voir ce que ça donne. Donc comme vous avez pu l'entendre, on obtient un son beaucoup plus sec et surtout beaucoup plus sucky. Donc c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus sourd, c'est moins agressif au niveau de l'oreille. Du côté des touches qui ont des stabilisateurs, notamment la touche entrée, on sent, c'est à peine si on l'entend hein, quand on touche, et au niveau de la barre espace, le son est vraiment plus agréable, beaucoup plus sourd. Donc conclusion, au niveau du rendu sonore, c'est une vraie réussite. Bon bah, petite déception du côté du Gasket Mount, où là par contre on n'a pas vraiment d'effet, pas d'évolution quoi, on se retrouve au même niveau qu'au départ. Donc c'était la troisième vidéo consacrée au modding de clavier custom. Et pour la suite, si on trouve le temps, on envisage une vidéo de création de câbles custom avec des connecteurs adaptateurs. Si vous ne connaissez pas, on vous invite à faire une petite recherche, vous allez voir, c'est des câbles qui sont plutôt sympas pour mettre sur le bureau. En attendant, rendez-vous sur cocotland.com. A bientôt.